Good morning, Aleïden. Je suis aujourd'hui le Nishma David Menfortun, Mazal Fritna, Lucienne Batreina et Charlie Shlomo Ben Rachel. Si vous souhaitez aussi donner une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions à Sechet Nedarim, Perek Yud, Mishnah. Hey, Bogeret, Sheshahata, Shnem Asar Chodesh, Ve Almana, Shloshim Yom. Rabbi Eliezer Omer, Oil ou Ba'ala, Chayav Bimzonotea, Yafer. Vachachamim Omrim, En Abaal Mefer Achetikanes Lirshuto. Nouvelle situation maintenant, c'est que on a une Bogeret chez Shahata Shnem Asar Chodesh. On a une adulte qui a attendu dans la maison de son père pour que vienne le moment de se marier pendant plus de 12 ans, 12 mois. Soit, je l'ai fiancée. Alors, j'ai un petit doute dans le cas exact, mais en tout cas, bon, on va dire comme ça. Je l'ai fiancée quand elle avait, par exemple, quand elle était même 12 ans, je l'ai fiancée. Maintenant, depuis le moment où je la fiance, alors, il y a... Maintenant, à partir du moment où... On parle même d'une autre situation, c'est pour ça que j'ai hésité. Je vous le dis. On parle même quand je l'ai fiancée, en réalité, quand elle avait 8-9 ans. Pour le moment, elle vit dans la maison de son père. Je voulais juste m'assurer que ça va être ma femme, c'est bon. C'est fermé, maintenant c'est ma fiancée, j'attends maintenant qu'elle va un peu plus mûrir pour se marier, parce que vraiment une petite enfant, j'ai passé l'âge de jouer à la poupée. Donc je vais attendre qu'elle va doucement, qu'elle va truc. Maintenant, elle va atteindre, c'est par exemple 12 ans, 12 ans et demi. Je vais aller la voir, et je vais maintenant voir son père, je lui dis ça y est, bon, Hachem, elle a maintenant assez mûri, je veux qu'on organise le mariage. Là, on va me laisser, on va fixer une date. Mais quoi qu'il arrive, je suis obligé de la marier pendant les 12 mois. Je ne peux pas fixer une date pendant 14 mois. Depuis le moment où ta voix est inassée, soit moi qui réclame, soit elle qui réclame, et on parle longuement de ça dans tout bot, quelles sont les conditions exactes, mais en tout cas, dès qu'on a fixé que maintenant, ça y est, maintenant, on veut se marier, 12 mois pour agir, et pour la marier. Et pas plus. Passer les 12 mois, ça restera ma fiancée, bien sûr. On peut prolonger si on veut, mais le père est sans droit de me dire, écoute, moi, ma fille à la maison, elle fait que de manger constamment. Paye-toi le repas, c'est à moi, c'est devenu au fiancé le devoir de maintenant nourrir sa future, sa fiancée. Normalement, la fille, tant qu'elle est dans la maison de son père, c'est le père qui nourrit sa fille. Mais passé les 12 mois que maintenant, en théorie, j'étais obligé de la marier, si je traîne à la marier, c'est moi qui dois la nourrir. D'accord? Ça, c'est la donnée de base. Selon ce principe, alors, Bogeret Shehata Shnem Asar Chodesh. Si on a une adulte, maintenant elle a passé l'âge adulte, que maintenant elle a attendu, elle attend depuis 12 mois, pour se marier, et je la marie toujours pas. Ou encore même, ve almana shloshim yom, ou encore, j'avais fiancé une almana, et puis après, on a dit, bah, maintenant, on va y avoir une veuve, Chas v'shalom, que, ouais, quelqu'un, il a fiancé une veuve, et maintenant, et là, ils se sont dit, bah, allez, viens, on va organiser le mariage. L'almana, on lui laisse que 30 jours pour se fiancer, parce que, pour se marier concrètement, parce qu'elle a moins de préparatifs à faire, elle est déjà plus dans le coup, la pauvre, quoi, elle a déjà vécu ça une fois. Donc, du coup, c'est moins, c'est plus rapide. Donc, on lui laisse que 30 jours pour s'organiser. Passer les 30 jours, le mari a le devoir de la nourrir. Vous êtes d'accord? Comme ce qu'on a dit. Eh bien, de ce fait, Rabbi Eliezer Omer, Oil ou Ba'ala Chayav Bimzonotea Yafer. Puisque maintenant, son futur, c'est lui qui a le devoir de la nourrir. Dans ce cas-là, il prend le droit de d'annuler ses nedarim. Même si elle est Bogeret et même si elle est dans la maison de son père. C'est un grand chidouche, et on va l'expliquer dans quelques secondes. Tandis que Chachamim me disent non, en abal mefer, le mari n'est pas annulé, les nedarim de sa femme que lorsqu'il la marie. Soit, Chachamim, c'est très simple, on sait très bien, on a déjà évoqué le cas, lorsqu'un homme il se marie avec une femme, il a le droit d'annuler sa femme. Il a le droit d'annuler les nedarim de sa femme. Il préserve sa femme jusqu'à 120 ans. Et maintenant, et donc il se marie avec sa femme depuis le moment, non, les nedarim qu'elle va avoir maintenant, sous sa tutelle, depuis le moment où c'est devenu sa femme. Ce qu'elle prononce, ne pas boire du coca, ne pas manger du chocolat, il annule son EDR. Il a le droit. Mais il faut nécessairement qu'il se marie avec elle. S'il ne s'est pas marié avec elle, même si concrètement il est en train de la nourrir maintenant, c'est comme si maintenant on lui a donné plus de charges, eh ben il ne pourra pas annuler le EDR. Sur ce point-là, précisément Rabbi Eliezer, il va dire, depuis le moment où elle est dans la maison, même si elle est dans la maison de son père, depuis le moment où le mari a le devoir de nourrir sa femme, c'est considéré comme si c'était sa femme. En réalité, parce que, alors c'est un peu discuté comment le faire, et Tosot il explique comme ça que, qu'en fait, que la Torah, le droit que la Torah a donné au mari d'annuler sa femme, d'annuler les nédérimes de sa femme, c'est parce que la femme, lorsqu'elle prononce un néder, elle sait très bien qu'elle a une... Il y a quelqu'un qui a un droit sur elle. C'est son mari, c'est lui qui la nourrit, elle ne peut pas faire les choses sans se concerter. C'est ça psychologiquement ce qui se passe quand la femme prononce le néder.
que selon ce principe, la Torah, elle a donné le droit au mari d'annuler le nether, parce que la femme, elle n'est pas. Elle tranche pas complètement sans se concerter avec son mari, un peu, c'est un peu l'idée. De ce fait, Rabbi Eliezer, il déduit dans ce cas-là, toute femme qui est déjà nourrie par son mari, même si elle n'est pas encore entrée dans sa maison, du point de vue des Nédarim, il y a toutes les conditions requises pour donner le droit au mari d'annuler les Nédarim de sa femme, d'accord? Bien évidemment, la halakha établit comme Chachamim, que tant que c'est pas devenu sa femme concrètement, alors il ne pourra pas annuler les Nédarim. Et c'est tout pour aujourd'hui, je souhaite une pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Selah.